Alors, recette Tu ou clapetis? allais plus du côté clapetis. Le ressac, c'est normal, alors que le clapetis, on sait pas trop ce que c'est. Mais ça, c'est côté ressac, ça, en fait. Ça, c'est là où se dirige Goldsmith, c'est côté ressac. Oui, très bien. Bon, Goldsmith est stressé, la droite et la gauche. Non, comme je te comprends, j'ai aussi ce problème de gauche et de droite. Je me force à essayer de, surtout quand on décrit des donjons, de reconnaître ma gauche et ma droite. Alors, me permet de faire suivre Arthur, comme ça Francis va se sentir tout seul et il va nous rejoindre. C'est ça. Oui. Donc cette technique qu'on utilise. L'appât. Alors vous entendez effectivement clairement les clapotis d'où ça peut provenir, et effectivement devant vous, vous voyez et de l'eau en fait. Vous voyez de l'eau. Avec la marée montante, sûrement l'endroit commence à se remplir d'eau en fait. J'ai dit que c'était une mauvaise idée. Et vous voyez donc effectivement de l'eau qui commence à monter assez régulièrement. Dans la pièce où on est, l'eau peut monter jusqu'à là où on est, à marée haute. Ah oui. S'il y a des coquillages ou d'eau. Ah oui oui, parce que il y a des algues, des coquillages, il y a des trous d'eau qui vous permettent de penser qu'effectivement le cas où il y a des grandes marées, ça peut venir effectivement jusqu'ici. Et là, l'eau, avec la marée, est en train, et puis avec la tempête, est en train de monter, en fait, là. Et du coup, en observant la hauteur à laquelle ça se situe, en fait, les tunnels sont totalement inondés, ou on peut voir, grosso modo, une ligne de flottaison. Il y a une ligne de démarcation, c'est-à-dire qu'en gros, on va estimer qu'au niveau taille humaine, vous n'êtes pas penché, vous n'êtes pas voûté dans les couloirs, ni dans là où il y a de l'espace, dans l'espace de grotte. On va dire qu'en hauteur, ça fait à peu près la taille, une taille et demie d'homme à peu près, donc à peu près 2 mètres, 2 mètres et demi. Et vous voyez que les lignes de marée arrivent à peu près à 2 mètres. Clairement. Il va falloir aller faire ça assez vite, Mathieu. Hein. Ou repartir. Ou je me dépêche. Très bien, j'ai compris où vous vouliez en venir. Oui. Donc effectivement, pressé peut-être par la marée montante, la tempête, etc. Pressé par mes amis. Voilà, Donc effectivement, l'eau commence à monter par des espèces de boyaux que vous pouvez voir avec les lanternes. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'il y a il y a l'eau qui est montée dans cette partie des tunnels, qui est déjà inondée hein, complètement. Et là, si vous mettiez le pied dans l'eau, vous auriez de l'eau jusqu'au genou à peu près. Donc là, on va dire que ça rejoint ici. Hein. Voilà, je pense que tout le monde avait compris. Comme ça à la marée, vu que. Ayant compris que ça rejoignait. Y'a pas de bruit derrière nous. À attaquer. Mmh... Dans le dos, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, t'entends Arthur qui se. s'est mis à l'arrêt. Ouais, mais Arthur il hop hop hop, il court vers vous. Hein. Il reste pas là. Hein. Ça te va, Lyon, je vais le déplacer, je te le laisse réagir, mais juste pour qu'il fasse le groupe. C'est ça. Donc là, effectivement, là où vous êtes, il y a un peu d'eau, donc vous êtes passé un petit peu en rampant en glissant le long de la paroi rocheuse pour éviter de mettre vraiment les pieds dans l'eau. Et puis, avec la lanterne, je vais un peu découvrir. Vous entendez effectivement du bruit. Hein. C'est un bruit d'eau, hein, évidemment. C'est le ressac qui est dans le coin. Et là, là, je vais un peu découvrir tout ça. J'ai à droite devant vous. Vous voyez effectivement. Polite. Alors,
Vous voyez plusieurs choses. Vous voyez déjà en fait de l'eau. Il y a beaucoup d'eau ici qui commence à grimper le long des. Enfin, qui grimpe. Et avec la marée, l'eau monte assez aisément. Il n'y a pas réellement dans les grottes que vous avez prises, il n'y a pas réellement de pente ou de descente hein, qui ferait que l'eau mettrait un peu plus de temps pour monter, etc. ou faciliterait son ascension. C'est plutôt plat en fait, hein, là où vous vous situez. Vous n'avez pas vraiment de déclinaison, de choses comme ça dans les couloirs. Par contre. De mémoire, on est en pleine nuit. On n'a aucun moyen, au moment ou à un autre, d'apercevoir la lumière du jour. Alors, effectivement, il n'y a aucune lumière du jour. Il est. Il est 8h30 du soir. Donc la nuit est tombée depuis déjà pas mal de temps. On est toujours le même jour. Et je vais vous mettre en situation effectivement où alors je vais mettre ça. Super. Henri va avancer encore moins que précédemment. C'est ça. Alors, ce que tu vois effectivement devant toi ressemble à une espèce de, on va dire, de dalle. Je ne vais pas faire de bêtises en disant des conneries. C'est ça. Donc tu vois une espèce de dalle, Goldsmith devant toi. Elle est au sol. Alors, c'est une espèce de pierre oblongue en fait, hein, qui fait presque plus de 2 mètres de longueur en fait. Hein. Et tu vois qu'il y a des trous en fait qui ont été percés aux extrémités. Et en regardant un petit peu en hauteur comme ça, tu t'aperçois que tu vois les restes d'une attache en ligament. Et visiblement, cette pierre était suspendue au plafond, parce que tu vois des espèces de crochets, des anneaux en fait, en métal, qui sont accrochés, suspendus à la grotte, qui a un plafond à peu près de 3 mètres de haut. Et il y a encore les ligaments qui sont au sol, qui ont dû céder peut-être avec les différentes tempêtes. Il y a d'avoir un symbole. Alors, t'es un peu loin pour voir. Hein. Ah. Ok. Donc là, avec la lanterne, effectivement, tu vois si il y a des inscriptions, des signes. Et ton œil n'est pas vraiment attiré par la pierre qu'il y a là, mais plutôt par la pierre qui se trouve ici. Bien, full pierre. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc on a donc cette espèce de pierre. Ça a été peut-être été taillé par la main humaine, t'en es pas sûr. Tu remarques plusieurs détails. Tu remarques qu'il y a quelque chose qui repose sur cette espèce de dalle en fait en pierre. Elle est pas comment dire sculptée correctement. Ça a été fait assez grossièrement. Et sur effectivement sur cette dalle en pierre rectangulaire, tu vois quelque chose de posé. T'es pas assez près pour voir ce qui pourrait y être déposé, puisque il semble qu'il y a une espèce de vasque qui a été taillé en fait dans la pierre, ce qui fait une espèce d'arrondi, et la chose déposée est en son milieu, en son centre, donc t'as un peu de mal à voir en fait. Alors la pierre en elle-même fait à peu près peut-être, je sais pas, un demi mètre en fait de hauteur à peu près quoi, pour à peu près 2-3 mètres de long.
Intrigué, Goldsmith va se reprocher un peu plus, mais va se retourner brièvement vers ses camarades et faire « Bon bah alors, vous venez ?»« Est-ce que tu vois ?» Bon, mais en tout cas, je pense qu'on va avoir besoin de spécialistes des vieilles pierres, là, donc c'est le moment. Je suis pas géologue. Ouais, bah, et tu as fait l'université. Ah, ça se comprend. Alors, tu commences à effectivement t'avancer petit à petit, Goldsmith. Ta lumière te permet de ta lanterne de détailler encore un peu plus la pièce. Donc, tu t'aperçois qu'effectivement, il y a de l'eau un peu partout, hein, qui commence à monter petit à petit. Et puis, petit à petit, avec la lumière, tu t'aperçois que tu marches. T'as l'impression de marcher sur des gâteaux secs. Petite référence. Et finalement, tu t'aperçois en mettant la lanterne un peu plus vers le sol que c'est pas des gâteaux secs, non, c'est des espèces de cloportes tout blancs. Et il y en a plein partout en fait. Il y a plein d'espèces de cloportes blancs qui font bien, ouais, on va dire bien 10 cm de long, quoi. Et qui comme ça couvrent un petit peu comme un espèce de tapis. Toute la surface de la grotte dans laquelle vous êtes. Et puis, il n'y a pas que ça aussi, il y a des... porte blanc, c'était pas assez. Non, mais il y a des espèces de morceaux de nacre qui sont immenses, quoi. T'as jamais vu un truc comme ça, quoi. C'est des morceaux de nacre, s'il devait y avoir une perle à l'intérieur, elle ferait 10 mètres de diamètre, quoi. Enfin, j'exagère, mais... Ça vous fait penser surtout à la photo qu'avait le docteur Stoner dans sa poche, une espèce de conque en nacre assez grosse, presque la taille d'une taille humaine, quoi, en fait, en hauteur. Et effectivement, vous retrouvez ici et les cloportes, vous avez l'impression qu'ils bouffent ces espèces de nacre, il y en a un petit peu partout, et des cloportes blanchâtres, comme si des cloportes albinos. On va dire ça, des cloportes albinos. Comme s'ils n'avaient jamais vu la lumière du jour, en fait. Et vous avez l'impression qu'ils sont un festin, en fait, de cette espèce de nacre assez, assez gigantesque, en fait. Il y a autre chose aussi que, cette fois-ci, vous entendez des espèces de bruits de succion et provenant... Alors, je vais sortir. Caler ça pour la vidéo et je vais mettre un token. Donc effectivement, un espèce de bruit de succion, un bruit de pas, hein, qui proviendrait de cet endroit-là. Je vais découvrir un peu. Ça a l'air de marcher lentement. Et vous entendez des bruits un peu étranges, des espèces de gargouillements ou de bruits gutturaux. Normalement les gorilles. C'est assez, assez étrange. Des gorilles albinos. Si on a bien les cloportes albinos. Des bouts de nappe, on peut en prendre un. Bout de nacre, oui, tu peux en prendre. Ouais. Je peux en prendre un et en mettre un dans ma poche. Oui, bien sûr, ouais, y a pas de problème. On voit mieux. D'ailleurs, vous en voyez qui dépasse un petit peu de l'eau, en fait, là où vous êtes. Comment ça? Des nacres, en fait. Des nacres, des bouts de nacre, en fait. Ça dépasse, c'est tellement énorme que ça dépasse comme ça, comme un iceberg en fait, toi, qui crève la surface de l'eau en fait. Et le nacre, ça provient d'un coquillage ou c'est... Ça provient d'un coquillage et en fait... Ça a l'air très très grand. Ah ben ça, par rapport à la photo qu'avait le docteur Stoner, effectivement, ce serait ce genre de conque en fait, assez gigantesque, la taille humaine qui serait ici en fait, ouais.
Vos hommes gorilles ils vivent dans des coquillages, monsieur. Ah bah toutes les hypothèses sont bonnes, hein. Bah expert en coquillages. Ni en gorille. Ni en homme gorille. En homme gorille. Après, c'était des hommes poissons lions morts. Les langues, t'es en train de regarder l'espèce de pierre. Et tout le monde, tu es avec ta lanterne, t'es en train de regarder un petit peu à droite, à gauche, et tu remarques sur les parois de la grotte, là où vous êtes, en fait, tu remarques des inscriptions. Ah, c'est ce que j'avais demandé, est-ce que je peux inspecter ? Que je me hâte de pointer à mon ami Hans. Ah oui, c'est pour ça que je demandais si je... Ouais. En fait, tout le long de la paroi, ici, en fait, ça démarre d'ici, et tout le long, comme ça, donc ici, ici, là où se trouve Hans, il y a des gravures, en fait. Les parois sont couvertes d'étranges gravures. Ça ressemble à de l'écriture, ou c'est plutôt du dessin, des choses représentatives ? C'est plutôt des... Comme ça, en regardant, t'as plus l'impression c'est des tracés côtiers. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des gravures. Des gravures assez étranges. Alors, attends. Hop. Arthur va vers Goldsmith. Francis, toi, tu fais quoi ? Je regarde autour sans vraiment prendre de décision pour le moment. Je me retourne par stress de temps en temps, de peur d'être soit inondé, soit surpris. Mm-hmm. Par derrière, au cas où je les laisse faire leur tambouille. J'ai pas l'impression d'être très utile pour le moment. Je préfère quand il y a des gens blessés. Hans, est-ce que tu as toujours les papiers que je t'ai donnés tout à l'heure ? Je m'en rappelle pas, désolé. Normalement, en fait, avant qu'on sorte, je t'avais filé deux papiers trouvés sur le docteur. C'était d'une part, effectivement, le dessin, la représentation d'Ang Kong, et d'autre part, une représentation de la mer d'Irlande sur laquelle, en fait, il y avait un pentacle qui était tracé. Je m'en rappelle. Il s'est passé tellement de choses entre ces moments. Là, je suis dérouté par... Oui, je l'ai toujours. Je vais peut-être vous leur donner. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu peux me redonner ? Excusez-moi, j'étais AFK 3 minutes. Bah oui. C'était celle-là, et puis. L'histoire de la conque. Hans ! Ça, c'est la conque. Qui veut la conque? Du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces... Alors, en fait, je voulais vérifier un truc, mais sur la conque aussi, il y a des formes de tracés côtiers. Donc, du coup, c'est de retrouver les mêmes tracés sur les murs que ceux qu'on a sur les dessins. Ouais, alors, effectivement, clairement... Et c'est malin. Tu remarques que les tracés côtiers ressemblent beaucoup effectivement au pentagramme que vous avez trouvé en fait dans la poche du docteur. Donc effectivement le pentacle est représenté sur les murs. Il vous faut vraiment regarder en appuyant le regard dessus avec la lanterne, etc. pour vous apercevoir qu'effectivement les tracés côtiers représentent donc un bout de l'Angleterre, un bout de l'Irlande, etc., l'île d'Anglaisais, et puis ce tracé qui représente en fait le pentagramme. Et petit à petit, comme ça, en déroulant en fait le long des murs ces tracés côtiers, etc., vous remarquez en fait qu'il y a des tracés qui sont cette fois-ci des dessins.
Vous voyez des dessins de silhouettes humaines qui apparemment s'opposent à une espèce de créature. Et vous voyez que cette créature est représentée entourée de liserés ondulants, comme pour symboliser en fait le symbole de l'eau. Et vous voyez que le dos de cette créature qui a été dessinée comme ça, on ne sait pas par quel moyen elle a été dessinée, mais tout ça vous semble moitié effacé, c'est assez vieux. Vous voyez que son dos de cette créature est anormalement proéminent, et elle tient sur des espèces de pattes assez atrophiées. Les doigts de ses mains semblent être reliés entre eux par de la peau. Et vous voyez que son cou porte des espèces de stries semblables à des branchies en fait. Et donc vous voyez des silhouettes humaines qui s'opposent à cette créature avec ce que vous pouvez voir comme armes, c'est représenté comme des espèces de fourches, des outils agricoles en fait.